Bonjour à tous les amis, c'est la PFR, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on est sur MCQ, voilà, donc la vidéo du nouveau Mercedes 2017 est enfin arrivée. Donc de base je voulais sortir du coup le 1er avril, mais pas sorti. Alors je vous rassure, c'est pas un poisson d'avril, je voulais vraiment la sortir le 1er avril. Mais aussi vous voulez pas avec un bandicam, vous voulez pas avec l'image sur aussi, donc du coup je vais réinstaller, voilà. Donc je vais pas, il y a la 3 bus dans le pack, hein. Il y a le 12 mètres, donc il y a juste 3 portes, il y a le 18 mètres, il y a 4 portes, et il y a du coup sur le 20 mètres qui a du coup 5 portes. Moi ça m'a choqué qu'il y ait 2 portes comme ça à côté, mais bon, voilà. Donc on va rentrer tout de suite dans le bus. Donc c'est assez joli à l'intérieur. Hop, voilà. Petit portique qui n'a pas changé d'ailleurs. Voilà, donc après, le tableau de bord, enfin, je veux dire, il n'a pas changé, mais si, il a changé. Il y a principalement les boutons qui ont changé et le volant. Donc on va mettre le contact. Voilà, hop, je mets juste un peu la caméra. Donc j'ai juste devancé le jeu. Donc, forcément, mais la petite climatisation. On ferme la porte. Donc il y a le petit truc là, la petite barre là. Je crois pas que vous voyez, j'ai pas mis de la souris. Bon, il y a une petite barre là. Je sais pas à quoi ça sert. Si vous savez à quoi ça sert, dites-moi dans les commentaires. Parce que ça m'intéresserait de savoir. Tac. Je vais juste prendre mon service en attendant. Donc on est sur Grundorf. Hein. Donc on va partir de Krakenhaus, donc du coup on va rouler un peu pour aller jusque là-bas. Non, c'est pas ça. Je crois que c'est 13. Voilà, c'est ça. Donc on démarre. Voilà. Juste magnifique. Très silencieux. On va ouvrir toutes les portes. Non, je peux pas toutes les portes parce que j'ai configuré de manière à ce que j'ai les boutons pour toutes les portes. Donc je vais faire un petit tuto pour puisse savoir comment on fait. Voilà. Ah, je vais se fermer la porte. Voilà. Ah, c'est bien surpris, c'est le klaxon. Donc là, nous qui voulions du changement de klaxon, là, on a. Non, c'est pas ça. Ah, c'est pas gauche. La version
aussi également, je suis en partenariat avec Instant Gaming. Donc si vous voulez acheter des jeux, passez par mon lien, du coup je vous mets en description, c'est comme ça, ça permet de vous faire gagner du coup des clés Steam, enfin des clés de jeux tout court. Donc si vous voulez acheter des jeux, achetez par mon lien, comme ça je peux faire des petits concours. Donc on va rentrer le numéro de service, donc c'est le 7601. Voilà. Mais par contre là je vois que c'est pas le même système que les bus de chez enfin, de la Dendry Generation. Je crois, parce que j'avais essayé de mettre le fichier off en bourre sur Dendry Generation sur celui-là. Puis ça avait marqué n'importe quoi, donc je suppose que ça doit être différent. On parle en combien de temps tout ça? Dans une minute, c'est bien. Pour le vandal aussi, faut bien penser à se freiner à fond et après d'accélérer. C'est le commun de redeuil. Einsteindorf, Ausbau. Je peux jouer la souris. Ça fait que quand je vais à gauche, en fait, ma souris part sur mon deuxième plan. Allô? Ça ganz schön kalt hier drin. Allô. Le bruit des belles effets, c'est trop le même. Mais c'est un peu ici, puisque les autres exemples, je trouve. Elsterplatz. Donc là, si vous savez, les objets apparaissent quand je me rapproche pas mal, puisque j'ai dû l'installer récemment. Et du coup, le graphisme sur le graphisme n'est pas. Non, ça n'est pas ça. Bauernhof. Endhaltestelle. Bitte aussteigen. Je
Donc du coup, on va faire un petit tour des commandes. Voilà. Donc, voilà. On va enlever le volant. Donc là, le bouton des portes, on porte 4 portes et là, la 5e porte. Là, pour le bouton poussette, là, pour le... Comment ça s'appelle ? Le... La suspension. Là, je pense que c'est pour bloquer les portes. Là, du coup, le warning. Là, le bouton du frein d'arrêt. Là, le bouton pour les enfants, donc on va le warning quand on ouvre les portes. Ça, je sais pas à quoi ça sert, c'est un bouton pour faire un son. Là, du coup, des vitesses DNR. Hein. Là, c'est pour ouvrir le truc le conducteur. La porte conducteur. Là, pour bloquer un ou donc là, par exemple, la porte, ça veut juste cette porte là. On appuie sur le bah, que l'autre porte qui a du mal à s'ouvrir. Voilà. Là, c'est pour bloquer les portables. Donc, quand j'appuie, ça fait rien avec je pourrais de l'arrière. Ça c'est le filtre à particules. Ça je sais. Qu'est-ce que c'est ? Là, le tableau de bord, hein, classique de chez Mercedes. Bon, en allemand, celui-là, c'est pas la version française. Là, la commande phare. Là, c'est pour activer le wifi, je suppose. Là, c'est pour activer le micro, l'antidérapant. Là, encore une fois, la suspension du bus. Là, l'éclairage intérieur, là, l'éclairage des passagers. De ce côté-là, on a un bouton qui doit servir à la suspension. Là, le bouton du réglage du tableau de bord. Donc, il se regarde pas tout à fait pareil que sur l'ancien. Là, le dégivrage des fenêtres. Là, ça, c'est pour recompresser les portes. Ça, je pense que c'est pour, je sais pas, ça pour un haut-parleur, sûrement. La climatisation en automatique ou en manuel. Là, des boutons pour régler les rétroviseurs, je suppose. Là, c'est pour baisser le pare-soleil. Voilà. Là, pour ouvrir et fermer la fenêtre. Bon, là, on a deux prises USB qui sont pas fonctionnelles. Là, la clé pour démarrer. Ça, c'est un bouton d'urgence qui fait rien. Là, le fermé parking. Et puis, c'est tout. Hein. Là, on a un bouton pour mettre la petite lumière, là, vous voyez, qui s'allume. Qui sont d'autres là donc pareil le petit truc pour pourquoi ça marche pas bon ça marche pas c'est pas grave là la configuration donc là choisir là où on veut diffuser la vitesse de diffusion là la chaleur après là, tout ce qui est passager voilà donc j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker commenter partager puis moi je vous dis à la prochaine salut. We'll be right back.